Pendant des millénaires, les dieux des civilisations indiennes ont été honorés pour assurer la bonne marche de l'univers. Convertis au XVIe siècle par les Espagnols, les Indiens, devenus catholiques, n'ont pas oublié les rites et les traditions liées à leurs anciennes divinités. Dans une nature violente et imprévisible, toutes les protections sont bonnes à prendre. Le Mexique, pays moderne, est resté une terre de croyances et de forces magiques. Au XIVe siècle de notre ère, les Aztèques, tribu errante, découvrent deux pyramides géantes au milieu d'une cité abandonnée. Ils examinent comment elles sont construites, découvrent leur alignement sur les étoiles et les planètes. Ils reconstituent l'histoire du peuple disparu et de leurs dieux et se les réapproprient pour acquérir leur force et leur grandeur. Ils apprennent que le monde a été créé ici. Les dieux avaient bâti ces deux pyramides hautes comme des montagnes et avaient appris aux hommes à les servir. Puis le soleil avait disparu et les ténèbres avaient recouvert la terre. Les hommes privés de lumière mouraient. Pour faire renaître la vie, les dieux font un grand feu et choisissent deux d'entre eux pour s'y jeter et devenir le soleil et la lune. Mais à peine né, le soleil refuse d'avancer si on ne continue pas à le nourrir. Alors tous les dieux se sacrifient et sautent dans le feu. Le sacrifice des dieux montre aux hommes la voie de leur salut. En se sacrifiant, ils permettent à la vie de continuer sur Terre et deviennent des compagnons du soleil. Les Aztèques appellent la cité Teotihuacan, la cité où naissent les dieux. La pyramide du soleil, édifiée sur une grotte, mesure 70 mètres de haut. Elle a la même masse que la pyramide de Khéops en Égypte. Au solstice d'hiver et d'été, quand le soleil est le plus éloigné et le plus proche de la Terre, on vient toucher la pierre métallique au sommet de la pyramide. Elle permet d'acquérir une part d'une énergie concentrée en ce point précis où la Terre et le ciel se rencontrent. Lors de son premier retour en Espagne en 1528, après 9 ans passés dans le Nouveau Monde, Hernán Cortés explique à Charles Quint la géographie du Mexique. Il saisit une feuille de papier, la froisse et la jette sur la table. Des montagnes, sire, et des volcans, de tous côtés et où que l'on se tourne. Plus de 200 volcans traversent le pays situé sur la ceinture de feu du Pacifique. Pour les civilisations indiennes, les volcans jaillis des profondeurs de la Terre relient le monde de l'obscurité au monde céleste. De leurs cratères naissent les vents et les pluies, et leurs grottes accouchent des nuages. Ce sont des montagnes creuses, et leurs flancs conservent l'eau qui nourrit les rivières. Les volcans sont personnifiés, des surnoms les rendent plus familiers. Les offrandes les influencent favorablement, leur font exaucer les prières.
Au mois de décembre, les calendriers de la nouvelle année apparaissent. Les plus demandés représentent une princesse et un prince aztèque au funeste destin. Mis à l'épreuve par le père de la jeune fille, le prince est parti combattre au loin. Revenu en vainqueur, il trouve sa tribu exterminée et la princesse sans vie dans une clairière. Fou de douleur, il réunit 20 000 esclaves et construit une pyramide en empilant des montagnes. Il dépose le corps de la princesse au sommet et se prosterne à son côté, une torche à la main. Alors le ciel se remplit de ténèbres, la terre se met à trembler et des gerbes de feu jaillissent du sol. Au matin, deux volcans dominent la plaine. L'un a la forme d'une femme endormie, l'autre d'un guerrier accroupi. La femme endormie, l'Itsasiuhualt, est un volcan éteint. Près d'elle, le guerrier à la torche, le Popocatépetl, alterne les phases de sommeil et de réveil. Les deux volcans dominent Mexico, divinités éternelles, craintes et vénérées. Un jour qu'ils regardaient les hommes, les dieux leur firent une demande. « Nous aimerions vous voir danser pour nous. » Les hommes se réunissent et discutent pour savoir ce qui sera le plus agréable aux divinités. L'un d'eux propose alors de voler comme les oiseaux. Ils cherchent dans la forêt un grand arbre, bien droit. Ils passent la nuit avec lui, sans boire ni manger. Ils collent des plumes d'oiseaux sur leur corps avec du miel et de la cire d'abeille et montent en haut de l'arbre accrochés à de longues lianes. Ils se laissent glisser dans le vide et volent comme des oiseaux. Aujourd'hui encore, les villageois font venir les voladores, les compagnons du vent, pour apaiser la terre trouée par les bâtons à maïs et pour invoquer Xipetotec qui fait tomber les pluies. Ce sont des paysans. Ils sont voladores de père en fils. Et c'est parce qu'ils aiment danser dans les airs pour les dieux qu'ils ont le pouvoir de protéger les récoltes. Pays de volcans et de montagnes, enserré entre deux océans, le Mexique est aussi un pays de lacs, de lagunes, de grandes étendues d'eau douce, territoire des divinités aquatiques aussi puissantes que celles des montagnes. Ces divinités animent des souffles qui traversent les lagunes, les plantes, les arbres, les animaux et les humains. Un enfant et un animal qui naissent le même jour sont animés des mêmes souffles. Ils partageront les mêmes qualités et les mêmes défauts. S'ils se rencontrent un jour dans la jungle, ils se reconnaîtront et s'épargneront. La mort de l'un entraînerait la mort de l'autre.
les souffles sont positifs ou négatifs. Certains Indiens savent les reconnaître et peuvent agir sur eux. Ces pouvoirs se transmettent dans les familles ou se révèlent dans des cérémonies ou dans des rêves. On vient les consulter comme des médecins. Les Espagnols sont intéressés par la médecine indienne. La théorie des souffles est proche de celle des humeurs qui accourent en Europe. Ils expérimentent les plantes qui permettent d'entrer en transe, de visiter les souffles du malade et de les purifier. Mais ils sont vite stoppés par les censeurs de l'Inquisition. Pendant des siècles, les adeptes de ces pratiques sont poursuivis. Ils se cachent et n'agissent plus qu'en privé, dans des réunions secrètes. En 1958, la peintre anglaise Lady Abdi est introduite chez Maria Sabina, une indienne qui maîtrise les substances interdites. Des ethnologues l'accompagnent. Les pratiques magiques que l'on croyait éteintes sortent de l'ombre et attirent des artistes, des médecins, des chercheurs et des curieux qui font spécialement le voyage au Mexique. Les autorités s'inquiètent de cet engouement qui donne une mauvaise image du pays. De nouvelles interdictions tombent, mais plus personne ne les observe. Les médecins traditionnels retravaillent au grand jour et chaque année, ils échangent leurs expériences avec celles des médecins occidentaux dans un colloque international qui se tient au Mexique. Il y a trois catégories de praticiens. Les sorciers, qui ont assez de pouvoir pour faire le bien comme le mal. Les guérisseurs, qui invoquent les maîtres des lieux, des montagnes et des sources, qui soignent en purifiant le corps. Les sages, qui mangent des champignons et avalent en les neutralisant les forces négatives de leurs patients. Doña Shona fait partie de la deuxième catégorie. Elle est guérisseuse et Rachel, qui la consulte régulièrement, vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Les pratiques des médecins indiens trouvent leur origine chez les premières populations du continent, venues d'Asie il y a 20 000 ans, par les ponts de glace du détroit de Bering. Elles communiquaient avec les dieux par l'intermédiaire de leurs chamans, des gens ordinaires doués d'une faculté rare. Ils étaient en contact avec les forces de la nature. Contre les Espagnols, Moctezuma, le souverain aztèque, envoie des guerriers, mais il envoie aussi des sorciers porteurs de foudre et de sortilèges, capables de rendre invisibles les combattants, de faire tomber la grêle ou rugir les volcans. La magie des Espagnols est la plus forte. Les bâtons tonnerres qui tuent de loin, les tapirs géants qui emportent les cavaliers au galop ont raison des chamans. En détruisant l'Empire aztèque, les Espagnols interrompent la longue histoire culturelle des peuples et des civilisations qui se sont croisés au Mexique. Entre les Olmèques et les Aztèques, il y a les Toltèques, les Tarasques et les Apothèques, les Mixtèques et les Otomis, les Totonacs et les Tzotziles. Il y a aussi les Mayas, un peuple resté longtemps énigmatique,
une civilisation et un empire éloignés des territoires aztèques au sud-est du pays. Un homme aurait pu, dès le XVIe siècle, raconter leur histoire. Un Espagnol qui fut adopté par les Mayas et devint chef de guerre. En 1511, sa caravelle fait naufrage au large du Yucatan. Les survivants, après une semaine d'errance en barque, accostent près de la cité de Tulum. Les naufrages étaient fréquents dans le golfe du Mexique. Et les rescapés, capturés par les Mayas, étaient sacrifiés après avoir été engraissés pendant plusieurs jours. Mais Gonzalo Guerrero survit. Il devient l'esclave d'une famille royale. Il apprend la langue maya. Les Mayas sont organisées en cités-états, souvent rivales entre elles, bâties près des lagunes et des points d'eau. Ce sont des astronomes. Ils prévoient les éclipses et leur calendrier compte 365 jours. Sur leurs stèles, ils écrivent la généalogie de leur roi. Comme les autres peuples indiens, les Mayas offrent au soleil le sang de leurs victimes. Parées comme des divinités, elles sont conduites en haut des pyramides où les prêtres les décapitent et les éventrent. Les cœurs palpitants sont recueillis sur une pierre sacrée et les corps démembrés sont ensuite jetés sur les marches. Lorsque Guerrero les découvre, les monuments sont peints en rouge. Un jour, Guerrero est préparé pour le jeu de balle. Il est couvert de cuir pour le protéger des coups de la balle de latex frappée par les hanches des joueurs. Ce sont les dieux qui désignent les gagnants en faisant passer leur balle dans un anneau de pierre. Les perdants sont sacrifiés. Guerrero perd et va être décapité quand brusquement le chef de l'équipe adverse s'écroule, foudroyé par un serpent. Les dieux mayas épargnent l'Espagnol une nouvelle fois. Mais les religieux veulent l'éliminer. Ils savent ces étrangers porteurs de mort. Et plusieurs cités qui ont eu des contacts commerciaux avec eux ont été décimées par des maladies inconnues. Guerrero est emmené près d'un cénoté, un lac où l'on peut consulter les génies de l'eau. Le roi veut en faire un Maya. Il connaît une prophétie qui annonce l'arrivée de dieux blancs. Cet Espagnol qui apprend sa langue peut devenir un allié. La réponse de l'eau est favorable au roi.
Guerrero est élevé au rang de guerrier et reçoit la fille du roi en mariage. Pendant 15 ans, Guerrero vit comme un Maya. Contacté par les émissaires de Cortés, il refuse de les suivre et organise la résistance des cités. Il meurt au combat, d'un coup d'arquebuse, la peau couverte de tatouages et la chevelure tressée vers le ciel pour que les dieux puissent mieux l'attraper. Le naufragé espagnol et la princesse Maya sont les premiers parents du métissage mexicain. Du nord au sud, les dieux et les hommes ont changé, mais la terre reste sacrée. Les graniceros sont choisis par les volcans. On les reconnaît car ils ont reçu la foudre. Don Carlos a été foudroyé il y a 40 ans au milieu de son champ de maïs. Laissé pour mort par les médecins, le corps et le visage noircis par le feu du ciel, il ne bougeait plus et déjà les femmes pleuraient. Puis les graniceros sont arrivés. Ils l'ont baigné avec de l'eau de pluie et ils ont dit qu'ils ne le quitteraient plus jusqu'à ce qu'il se réveille. C'est ainsi que Don Carlos est devenu graniceros à son tour. Depuis, Don Carlos conduit les cérémonies de protection des récoltes du mois de mai sur les pentes du Popocatépetl. San Pedro y San Pablo, San Antonio Adán, valgan el misterio de la Trinidad. Chaque volcan a ses graniceros, dont les pouvoirs varient d'une région à l'autre. Un repas symbolique est offert aux graniceros disparus. Même morts, les graniceros restent des intercesseurs actifs auprès du Popocatépetl, appelés plus simplement Don Gregorio. Sur la nappe, il y a autant d'assiettes servies que de graniceros défunts. En 1953, en quittant le pays, André Breton emmène des objets d'art qui vont compléter les collections constituées par les surréalistes sur les arts des civilisations oubliées. Avec les masques africains et les fétiches océaniens, les statues mexicaines vont influencer l'art moderne. Le Mexique, déclare André Breton, est un pays surréaliste. Dans les villages, au petit matin, un dernier orchestre marque la fin d'une nuit de fête, à moins qu'il n'annonce une nouvelle journée de festivités. Il y a tant de saints à fêter sur un calendrier, et il y a tant de calendriers dans l'histoire du Mexique.